Ah, de la tuture. I say we love you tonight. Voiture, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Hein. On n'a pas pris beaucoup hein, finalement. Alors. Ah oui, on était avec mes mères, exact. Alors, hello, on était sur du nouveau ici, nouveau ici. J'ai pas assez d'argent. Donc on avait fait tous les circuits ici, hein, donc on va s'attaquer à ce... attends. Y a pas des nouveaux ici? Non, ici y a rien. Si en bas, ouais, ok, d'accord, ça marche. Alors du coup, est-ce que je ferais pas mieux me rapprocher avec lui? Ah non, j'ai dans le baba, hein. Faut vraiment que je vienne dans mon horizon en fait. On va le faire, on est trop loin. Voilà. Et du coup, on va sélectionner ça. Ça craint là. Oh la vache. Bon, c'est normal hein, que ça bug, hein, attention. Ah oui, d'accord. C'est dingue ça. Ah, ça c'est les travaux. Ah, je vais pas faire autrement. Ouais, quand je vois le. À 400 mètres, tournez à gauche. Putain, la vache. Attendez, parce que je regarde le stream en même temps, c'est pour ça.
J'ai l'impression qu'il lag un peu. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon. Ouais, la petite Carrera là, on peut dire qu'elle. Alors, je suis pas trop fan parce qu'elle. Putain, quand tu sors d'un Subaru, tu te la chopes elle. À 400 mètres, tournez. Mais à droite. On peut dire que mes mères. Elle trace, hein. Mais je vais la changer là. Tournez à droite. Voilà. Allez. Ah, de toute façon, j'ai pas le choix. Comme ça, c'est clair. Oh là là, je vais avoir. Oh là là, je supporte pas ces courses. Moi, c'est la tenue de route qu'il faut. Hein. Bon, on va essayer. Je suis vraiment une daubasse avec cela. Hop, yes, yes. Allez, au milieu, on le fait. Oh, c'est magnifique. Comment ça se déporte. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas des signes par terre. Des The Sims, des extraterrestres. Ah, finalement, bah, j'ai dû l'acheter cette voiture parce que je devais en avoir ras-le-bol de l'autre. Et se conduit plutôt bien. Cette course s'y prête, se conduit plutôt bien. Ça doit bien dire. Voilà, ça passe. Parfait. Niveau 20. Et on est enfin qualifié pour Horizon Life. Alors, slip, chaussettes. Un klaxon. Salut Arnaud. Ça y est, tu fais partie de la sélection Horizon. En même temps, vu tout ce que tu as fait depuis un an, le coup t'étonné. Retrouve-moi pour que je te donne ton bracelet. À 100 mètres, tournez à gauche. Ah oui, c'était tourner quoi.
Vous avez atteint votre destination. Voilà. Salut Arnaud. Félicitations pour ton accès à la sélection Horizon. Mais ce n'est que le début. À partir de maintenant, tu vas vivre cette expérience avec tous les autres pilotes sélectionnés. Va faire un tour et... Salut, je suis grand. Comment vas-tu? L'objectif, c'est le bracelet d'or. Une récompense qu'on ne donne qu'aux véritables superstars du festival. Bienvenue sur le chat. Ça fait plaisir que tu viennes faire un petit coucou comme ça. Bon, là je suis sur Forza Horizon 4, hein, voilà. Fais ce qu'on peut. Putain, le son il est bon quand même, franchement. Le son est vraiment bon. Tu joues à ça, je suis grand. Je suis grand. Si tu cherches ça. Quelque chose de plus, je vais t'appeler je suis parce que au bout d'un moment je suis grand, tu vois, ça va. C'est ton jeu fétiche. Jeu de voiture fétiche. C'est vrai que les Forza ils sont excellents, hein. Franchement c'est... Ah oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? T'as pas la plateforme? Donc passionné de jeux de voiture et t'as pas encore pu te l'approprier. C'est sympa ici. Je suis level 20, donc j'ai commencé à faire pas mal de petites courses. Donc d'accord, ok. Alors. Alors, sénateur, pourquoi tu remercies d'être venu? Oui, je viens de commencer il y a pas longtemps, donc je suis level 20. Par contre, il y a un truc qui je trouve étrange, c'est que. Je suis grand, tu dis, j'adore ce jeu, mais je joue sur PS4. Et oui. Cela dit, si t'as un PC, tu peux avoir aussi accès à ce jeu-là. Mais. On peut pas avoir les exclus de tout le monde, hein? On peut pas avoir du. Turismo et puis du Forza en même temps, hein. Faut que les bébêtes elles s'affrontent un petit peu, donc du coup, alors moi qui ai joué à Gran Turismo parce que j'ai la PS4 aussi et tout, il est pas mal, il est pas mal, mais Forza c'est Forza. Tu vois, j'avais même fait The Crew, les choses comme ça, et c'est vrai que Forza c'est Forza. Bon, on est passé à l'hiver là, j'étais super content de revenir au printemps. Et là on est retourné à l'hiver, putain, j'aime pas le décor de l'hiver. Non, je sais pas ce que je gagne, non, je dois gagner quoi? Championnat saisonnier, restriction, S1. Attends, où est-ce que j'en suis? Moi j'en suis là. Oui, on peut, on y va, on attaque. Ok. Prenez le virage serré à gauche. Bon, c'est pas avec la jipette par contre qu'on va faire quelque chose, mais Et voilà. Voilà le jeu des vacances. Le petit son. Bon là il caille forcément. Bon alors, le petit son, le petit vin chaud, mais je préfère un petit peu de rosé, un bon petit mojito, une petite vodka ou un petit planteur punch. Et puis voilà. Le soleil au vent, il fait bon, il fait beau. 10 millions de crédits et une Lamborghini Aventador. Ah, c'est vrai que ça veut. Genre l'Aventador quand même. En fait, chez Lamborghini, moi ce que je kiffe, c'est. Le mec, il a un sacré coup de crayon quand même. Putain, quand tu regardes. Il y a des mecs comme ça qui te font des voitures avec des angles, avec des trucs, mais. De ouf. De ouf. Donc chez Lamborghini, ouais, j'aime beaucoup. D'accord, ok, donc bon bah, du coup. On va aller provoquer cette petite récompense. C'est à combien ici là? J'avais déjà cette baraque? Non, je suis pas sûr. Ah si, peut-être. Peut-être. Je sais plus trop. Je sais plus trop. Bien sûr. Major, j'ai besoin de vous. Vite, oui. Nous devons sortir d'ici. Ah, avion de chasse.
D'accord. Alors, tu t'énerves pas trop. Ah oui, d'accord. Ah bah ok, bon, c'est la fête. Bah écoute. Allez, par contre, je me téléporte, hein, parce que là, sans déconner, ça fait... Putain, ça fait de la distance, Chef là. Festivalier, vous êtes toujours sur Pulse. Attends, avec attends, Emu. Attends, 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 Apparemment, notre... attends, attends. Attends, je change le slip et les chaussettes. Parce que là, j'ai enchaîné beaucoup, quand même. Hein. Et ma deuxième, c'est... Ouais, bah, surtout que c'est eux qui étaient en tête au niveau de la voiture la plus rapide avant la Bugatti Veyron, hein. Mes voitures, du coup... Du coup, bon, l'Aston Martin, je vais la laisser là, la Viper, non. La Huracan, franchement. Vas-y, je la prends. Allez, c'est pour te faire plaisir. Allez, c'est pour toi. Je te fais plaisir. On prend ça. Par contre. Je sais plus si j'ai gagné des chaussettes et des culottes. On en est où là-dedans dans les fringues là? Elle est belle ma pupuce hein. Oh, j'ai réussi, je trouve qu'elle est toute mimi. Non, j'ai rien gagné. Hein. Bon, par contre, on est en hiver donc forcément, on va lui mettre un truc plus sympa. On garde la jupette parce que c'est une jupette. Voilà, petite chaussure et toute mimi. Non, c'est affreux. Hop. Oui, allez. On va pas se... Et après, bon, qu'est-ce que... Et bah voilà, hey, petite tenue hivernale. Écoute, ça m'a fait énormément plaisir. Tu viens avec moi, tu chattes en plus avec moi, c'est ça qui est super sympa. Voilà, c'est ça que j'aime. Hein. C'est que les gens ils viennent pour une communauté de gamers quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on peut échanger sans souci, on a la même passion, on a J'adore l'envie. l'analyse scientifique de la course, En plus, je même suis si très j'aime aussi la accessible. démonstration de la pointe en ligne droite. Voilà, autant C'est la échanger. piste de drague de prêt à mettre le pied au plancher? Le film, tout. Alors moi, je suis très jeu d'horreur à la base, mais je joue à tout. Hein, donc, je t'inviterai même à aller voir ma chaîne YouTube. Tu vas voir, c'est un peu le bazar. Hein, je suis instable. Je joue depuis 32 ans, donc je suis un peu instable et c'est ça qui est superbe. Superbe. Donc, je sais plus où je suis là. Donc c'était ça. Hein, c'était cette course-là. Bon, je suis pas sûr qu'on ait pris la bonne voiture, par contre. Hein. À 200 mètres. On va voir ce Tournez que la piste va donner. à gauche. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Vous avez On va atteint voir avec quoi votre il joue. destination. Salut Arnaud. Contente de te voir à ton premier championnat saisonnier. On a ajouté quelques défis, histoire de varier les plaisirs. Tu ne voudrais pas Elle est que ce belle la soit petite trop scène facile quand même. GTI Rabbit. Tu te souviens cette petite voiture? Eh bah... Non, je change pas la difficulté, tu m'embêtes Tu pas sens là. d'attaque pour un super championnat printanier? Quelle question! Tu ne t'inscrirais pas sinon. Oh. Qu'est-ce qui peut rivaliser hein, parce que la Carrera est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est où ma carrière là? On est sur du 8-8-1. Non, Mercedes hors de question. Bah en fait quand tu regardes les stats c'est la meilleure hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix hein. Je veux pas dire mais on va la reprendre hein. Puis tant pis hein. Puis tant pis s'il y a viandage, il y a viandage hein. C'est pas grave hein. Voilà, je vais me redresser un petit peu. Oh. J'avoue que je maîtrise le moonwalk. Allez, on se concentre. Tu joues à The Crew 2 aussi, non? Les Need for Speed, The Crew 2. Allez, c'est parti.
pas aimé The Pool. Il y a beaucoup de SUV là. Oh là 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 là, qui m'a mis une banane. J'aime pas du tout quand ça part comme ça parce que ça veut dire que leurs bagnoles elles sont costauds là. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Oh là là, catastrophe là. Putain, ma planche, elle a pas de répondant, elle a pas de reprise. Ça va être dur. Sixième, c'est jouable, aspiration. Allez, 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 on donne tout, on y va, hop là. Intérieur, vite fait. C'est bon ça. Graphiquement, il est pas mauvais The Crew 2, hein. Mais c'est, j'ai trouvé qu'en fait c'était une petite copie de Forza Horizon, un peu moins bien faite et trop arcade le jeu. Maintenant, dans son concept, The Crew 2 est un très bon jeu de voiture. Enfin, avion et bateau du coup. Pas si mal que ça là pour le moment là. Un petit coup de frein à main. Ouhouhou, ça glisse et ça passe. Allez, on se lâche, frein à main. Et ce jeu il est magnifique hein, franchement. Ouais. Forza Horizon 3, je crois que j'étais arrivé niveau 70. Et j'ai tout torché sauf les petites courses de rapidité et puis les granges. Oh, j'ai fait une connerie là. Ils se sont rattrapés mais. C'est pas grave, je parle en même temps, tout on échange, c'est quand même super. Mais c'est vrai que ouais. Et Gran Turismo par contre j'ai adoré ces. Bah tu vois pour le coup c'est triste ce que je vais dire mais. Gran Turismo il est plus simulation que Forza. Forza c'est quand même un peu arcade. Et j'ai trouvé les graphismes plus fins à Gran Turismo, mais attention, Gran Turismo ça reste un jeu de piste. Alors attends, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Ouais. Ah ouais, c'est j'ai l'impression que j'ai une remorque derrière. Non? Le truc est... Je suis en train de tirer là. Je l'ai bien faite ma petite polpette là. Magnifique. Dernière manche du championnat sur Route Horizon. Après ça, j'aurai quelque chose d'un peu différent à te proposer. Quelque chose de plus grand. Ah bah attends, regarde. La carte déjà, c'est le bordel. Tout à l'heure, j'arrivais à gérer, j'étais à peu près à jour au niveau des courses. Là, tu m'en as mis 40. Donc, je fais un championnat en même temps, je fais tout en même temps, là. Donc, j'ai le championnat à faire. Et c'est un championnat qui, 2 jours, 16 heures. Donc, on va le finir ce soir, mais j'ai quand même des courses à côté. J'ai pas envie de les. J'ai pas envie de les zapper, hein. J'ai pas amusé à faire sans arrêt des allers-retours. À 200 mètres, tournez à droite. Ouais, tournez à droite. Youp. Vous avez atteint votre destination. Bah alors dis-moi, quel est ton jeu favori sur la PS4 du coup? À part ces merveilles, je vois pas avoir le véhicule. Oh là là, bah je vais prendre mon Jeep, hein, ok. À part The Crew 2 ou Gran Turismo, t'as quoi? Quels sont les jeux que tu t'aimes? Sur PS4, là, ce que j'attends en ce moment... Alors, il y a une grosse déception, c'était Days Gone. Pas une déception. Bon, je me suis mal exprimé. Parce que moi, je suis jamais d'accord avec les jeux de zombies, les jeux d'horreur que je faisais. C'est que pour un petit studio, le jeu, il est parfait. Vraiment, bravo, félicitations et tout. Il s'est même fait descendre pour rien, ce jeu. Mais il y a des bugs, il y a des petites lacunes. Bon, c'est pas grave.
The Last of Us 2, je l'attends avec impatience. Vraiment, celui-là... Récemment, j'ai fait Spider-Man, qui était sympa. Et puis bon, je suis très fan des Detroit Become Human. Heavy Rain, Until Dawn, qui est pour moi un jeu d'horreur. C'est l'excellence dans la narration. Donc, je sais pas, tu joues à quoi à part tout ça, parce que bon, puis je joue très Street Fighter aussi, ça c'est vrai. Bon, en fait, je suis très tout, hein, on va pas se mentir, hein, quand on est passionné. Hein. Et donc, pour te dire, donc moi je fais que du live, hein, je joue qu'en live. Je fais pas de montage vidéo, je fais rien de tout ça, j'en faisais avant, j'en fais plus. Et maintenant, je me consacre qu'au live, parce que le live, tu vois, au moins, bah, t'échanges avec les personnes. Donc c'est quand même super sympa, t'as une approche immédiate. Puis tu travailles pas quoi, je veux dire, tu montes, t'es mauvais, tu fais des trucs de ouf, mais... Et voilà quoi, tout est vrai. Bah, les mecs font des montages et puis tu sais, ils te montrent pas qu'ils ont mis 50... ils ont mis 50 fois à essayer de faire une action ou un truc, enfin voilà, mais... Non, le live c'est quand même c'est plus cool. En tout cas, je me suis mis sur le live. Donc du coup, voilà, après... Donc j'ai ma chaîne YouTube, comme je t'expliquais. Et tu peux aller faire un petit saut, mais moi je suis un liveur, hein, totalement. Je suis un foufou du live. Putain, je les ai avoinés là. C'est sympa ce petit circuit là. Puis même les tracés de Forza, ils sont super cohérents. Je regarde en même temps, j'essaie de regarder hein, en même temps le chat, mais tu vas m'excuser, tu vas me l'accorder quand même, que c'est pas évident de conduire et de regarder en même temps le chat. Hein. Malgré que j'ai du chat dans tous les sens, j'en ai en bas, j'en ai sur le côté gauche, ouais, j'essaye, mais je connais pas. Ah, Sniper Elite, t'aimes bien? Les premiers, j'ai pas aimé, moi. Le 4, je le juge pas, ni le 3. Le 1 et le 2, j'ai pas aimé, parce qu'en fait, j'avais la sensation que quand ils sont sniper, c'était une poutre. Tu sais, tu sentais que son arme a été lourde, quoi. Hein, que c'était. J'avais pas trop aimé l'approche. Et les Need for Speed, j'ai pas fait Payback le dernier. Mais par contre, tout ce qui était Shift 2, Hot Poursuite. Bon, après les anciens, Most Wanted, tout ça, Underground. Mais si, j'en ai un sur PS4, mais pareil, c'est dans le. C'est dans le noir, tu sais, là, c'est dans la ville, c'est avec le moteur de 10, là. Le Frostbite, là, merde. Je sais quel Frostbite que j'ai, putain. Bah, j'ai pas trop accroché, en fait, parce que c'est tout le temps dans le noir, en fait. C'est tout le temps la nuit. Donc, j'ai retrouvé du Underground 2, et non, je sais pas, moins bien fait. Et War Thunder, je connais pas du tout. C'est un jeu de tank, mais... C'est pas mon style, là. Allez, ça passe, ça passe. Ah, surtout qu'en plus, ça doit pas être évident de jouer en ce moment. Je pense que t'es peut-être en examen, des choses comme ça. Putain, on a réussi, hein, c'est passé. Hein. Niveau 21. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Chaussettes, caleçons. Ça, les loot, ils sont un peu chiants là-dedans. Oh. Chapeau de paille. T'as vu? Dans la dernière manche, certains pilotes ont un peu trop admiré le paysage. Ne fais pas la même erreur qu'eux. T'es qualifié pour la... Amuse-toi bien. Nous y voilà. Vitesse absolue. J'en ai toujours rêvé. Bien sûr, ça reste un boulot, mais j'aime l'idée que tout le monde pourra profiter de la 100 à l'heure. Et ce serait une bonne excuse pour prendre le volant de voiture en... Voilà. Du coup. Bon, c'est bien, on a deux jours. Bon, par contre, ça j'adore. Ça, c'est des épreuves comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à côté, à proximité? Parce que bon, c'est pas le tout, mais. J'ai dit que je faisais tout ce qui était à côté. Celui-là, on l'avait fait. Hein. Faites demi-tour dès que possible. À 100 mètres. Tournez à gauche.
Tournez à droite. Merde, elle est toute mimi à l'intérieur là. Ah ouais, toute kiki. Elle est toute kiki, ma petite polpette. Ah, tu parles avec l'avion de chasse. Votre destination. Je vais en prendre la jeep. Fais le truc de vitesse absolue, il est trop bien. Bah, je le fais après. J'attaque après. Promis. Bon, bah, c'est bien comme ça, t'es à l'abri des examens, toi. De toute façon, faut pas que tu sois. Faut que tu sois pressé. Tranquille, prends ton temps, profite. Alors. Hop là. Voilà, c'est super. Bon, en tout cas, c'est super sympa de ta part hein, d'être venu profiter de ce petit jeu avec moi. Ouais, écoute, c'est toujours cool. En plus, écoute, on a une petite communauté où les gens sont super cool, super gentils. Moi, je veux que ça, du respect, de la gentillesse, du partage. Donc, tu es le bienvenu. Et tu n'hésites pas, hein, dès que tu me vois en live ou quoi que ce soit, tu viens, t'échanges. Comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui est là pour communiquer. Et l'avantage de jouer et puis d'avoir des réseaux comme ça, tu vois, YouTube ou Twitch, c'est de pouvoir aussi échanger avec des personnes que de toute façon je t'aurais jamais rencontré et le jeu rassemble, donc c'est ça qui est très intéressant, donc c'est pour ça que c'est très très bon. Une très belle petite chose. Allez, ça passe. D'ailleurs, c'est étonnant que tu joues pas à Fortnite. Ah, je me suis pris celui-là. Hein. Je l'ai. Oui, mais je crois que j'ai vu ton. Pourquoi tu me suivais? Si, j'ai vu. Hein. Mais oui, tiens, je me disais, tu joues pas à Fortnite, toi? Alors moi je joue pas du tout, hein, mais je respecte les gens qui jouent à Fortnite, hein, attention. À Fortnite j'y jouais il y a 6 ans déjà. Donc. Voilà. Frein main. Ça passe. Bah écoute, après c'est vrai que c'est les goûts les plus leurs, hein, hein, franchement. Allez, là, je vais pas refaire la même connerie que tout à l'heure. Ah, il est dur celui-là. Hein. Oh la vache. J'arrive plein de balles là. Pas évident. Ouais, donc moi je. Comme je faisais, je joue à tout. Hein. Tu peux me voir d'un coup partir sur un Gears of War 4 ou après. Bon, je suis un joueur PC hein, à la base, hein, attention. Je suis très PC. Hein. Mais bah. J'ai toutes les machines. Hein, donc c'est vrai, des fois je passe sur la PS4, je passe sur la Xbox, bon, je suis sur mon PC. Je peux faire de la Wii U aussi, de la Switch. Mais c'est rare. Donc tu peux me voir sur des jeux comme. Des Resident Evil où d'un coup je vais passer sur Forza qui va après je vais passer sur l'ombre du Mordor, enfin beaucoup de jeux, beaucoup de découvertes, je fais beaucoup de jeux découvertes par contre en accès anticipé aussi pareil, j'ai des éditeurs qui me passent des clés donc je montre aussi ce que les jeux sont en accès anticipé. Voilà, parfait, on est arrivé. Donc, voilà, c'est intéressant. Ouais, tu trouves? Je sais pas si je gère trop bien mais je suis débrouillé. Merci. Je me suis dépatouillé. Du coup, c'est quoi que tu me disais? C'est l'avion de chasse? C'est la course avec l'avion de chasse? C'est celui-là? La vitesse là où.
toi dans ta petite aurait. Dommage que j'ai des pipes qui foirent là. C'est quand même incroyable hein. Travaux là. Première fois que j'ai un live comme ça. Du coup. Alors attends, tu me disais, oui, il est trop bien, ok, j'ai... Vitesse absolue, pardon, à Édimbourg. Oh là là. Attends, est-ce que Édimbourg, c'est ici? Où c'est que tu l'as vu? Bah c'est ça. Tu veux, ouais, mais... Hop, c'est là. Bon, alors attends, est-ce qu'il faut que je me téléporte? J'aimerais bien me téléporter, y a pas un horizon là. Putain. Oh ça me saoule, il faut que je me tape tout là. Bon. Bah écoute, on va avoir le choix. T'aimes le patin à glace? Ouais, moi non. Oh non plus. Quand même, attends. Mais j'ai une nouvelle rumeur. Faut pas exagérer. Hein. Du côté du lac. On se voit là-bas. C'est hyper loin quoi. Ça je l'avais fait. Putain, c'est chiant, j'ai rien. Ah si, c'est bon. Ça, j'avais pas vu. Ah ouais, j'ai un stream ce soir qui est pas top, hein. Je suis un peu vexé, là. Quand je vois le retour... C'est un peu plus net que ça quand même hein. À 400 mètres, tournez à gauche. Allez, on va... Ça passe, ça passe, ça passe. Et hop, ça passe. Tournez à droite. Vous avez atteint votre voilà. Destination. Vitesse absolue. Vitesse je sais que cet investissement peut sembler un grand. Peu gros, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Oh, si ça peut te motiver, sache que tous les jours, chacune de tes affaires te reversera une partie de ses bénéfices. C'est vraiment l'emplacement idéal. C'est le jackpot assuré. J'ai déjà des clients sur liste d'attente. Mais je crois qu'on devrait essayer... T'es sûr que c'était ça que tu voulais que je fasse? Non. Bon choix, très bon choix. On va acheter. Toi et moi, on va montrer à tout le monde la vraie signification de vitesse absolue. En tout cas, c'est ça, je pense que tu voulais que je fasse. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Lamborghini Veneno. Oh là 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 là. Eh bien, t'as quelques minutes à tuer avant notre premier client. Une Lamborghini Veneno de 2013. Prends les clés. Bon, faut que je me concentre, c'est ça? Bon, j'arrête de parler alors. Je veux que tout le monde parle de nous. Je veux que le public sache qu'on ne plaisante pas quand on dit vitesse absolue. Oh, regarde comment elle est somptueuse. Juste une petite virée jusqu'à Glenrothok. Oh, et n'oublie pas que notre premier client est déjà en route. Ne freine pas. Oh, elle est magique. À 400 mètres, tournez à droite. Oh, bourrine. Tournez à droite. Ah oui, alors d'accord, c'est juste décalé à droite. C'est pas tourner à droite. D'accord. C'est dommage, il m'a dû en erreur. C'est pas grave, ça passe. Elle a rien. Ouais, je me concentre. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Oh, le son, quand il va partir, je sens que ça va être fou furieux. Elle bombarde hein. Et elle tient le pavé hein. Oh, de la bonne drum and bass. Ah, elle atteint les 300 sans souci hein. Oh là 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 là. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Ah putain.
travail. On viendra la chercher et la nettoyer. Tu ferais bien de t'éclipser avant l'arrivée du client. Appelle-moi quand t'es prêt pour la suivante, d'accord? Pensez à quelque chose de scandinave. Bon, c'était pas mal. Mais magnifique la caisse. Veneno. La Veneno. Ah, tu reprends ça, tu reprends la coquillette là. C'est la même chose, hein. Alors, chapitre suivant, bien sûr, hein. Quel pilote. On est 3 millions. Incroyable la dernière fois. Ah tiens, c'est ta voiture. N'arrête pas de sonner. Celle-ci sera encore mieux. Juste une chose. T'as pris tes lunettes de soleil? Non, laisse tomber, c'est pas grave. La Koenigsegg One One. 1360 chevaux pour 1360 kilos. Il y avait les Suédois. Ouais, t'entends ça déjà, tu t'as envie de chialer quoi. Sauvage à la fois. Pareil, regarde, c'est un démon ce truc. Il y a une belle ligne droite là-bas. On peut vraiment mettre les gaz. Oh ça par contre elle accroche pas comme l'autre hein. Ouais. Par contre pareil hein, les 300 elle a tes bouffes hein. Oh et le client arrive tôt. Désolé si t'es un peu égoïste. T'inquiète, le client sera content. Oh putain, ça va vite là. Oh c'est beau. Oh putain. Ken Block. Bon t'as raison finalement, elles sont assez sympas. Par contre putain, hey, je peux pas regarder le chat hein. Je sais pas ce que t'es en train de me dire parce que... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Moi j'ai sauvé les meubles. Il y avait le virage, c'est pas grave. C'était ça où je partais dans tous les sens. Putain, se déporte beaucoup hein, la bête hein. C'est un sacré cheval ça quand même hein. C'est assez sauvage hein. On avait chopé un comme ça, un cheval, au Texas. 269 km/h, mais attends, c'est pas énorme. Alors toi, j'ai préféré la Lamborghini. Par contre, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est en accélération, mais putain, elle envoie, elle envoie. Alors. Des belles chaussettes toutes vertes. Ah quand même. Bon même si je suis pas Corvette, j'ai au moins une bagnole. Pas trop tôt. 365 km/h, j'ai pas fait. C'est pas des masses hein, ce que. Tu te souviens de ce boulot de taxi dont je t'ai parlé? Au volant de supercar? Non ça je m'en fous ça. Je me suis occupé ouais. De tout. Passe me voir. Je t'ai... D'accord, bon bah ok. Du coup je suis où? Je suis là. Et c'est finite? Ah non, dis ça, attends, c'est pas finite. Allez! Il y a 10 chapitres hein, quand même. Hein. Je t'avais parlé d'une Ferrari. Elle a FXX. J'ai pensé que tu pourrais t'esquiver pour une virée à la campagne. Tu sais, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Il s'agit de la FXXK de 2014. Donc, elle doit avoir ce qu'il faut. C'était la Ferrari qui avait pris Schumacher, je crois, au début. Démarre ! L'accélération de cette machine doit te faire halluciner. Allez, c'est parti. Tournez à droite. Oula. Putain, elle est belle aussi, putain. De toute façon, quand t'arrives dans ces catégories de voitures,
Là, t'as l'impression d'être dans un Need for Speed, non? Oh là 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 là. Pourvu que j'ai serré les cuisses. Ça va, ça m'a dit bien quand même. Hein. Oh, oh là 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 là. C'est que ça se rétrécit un petit peu là. Hein. Tu peux le dire que je gère. Hein. Je suis un ouf. Voilà, c'est parti. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. Eh, elle se conduit bien celle-là. Hein. Parfait ça, oh putain. Maintenant détends-toi, respire et appelle-moi quand t'es prêt pour le prochain client. Ah, celle-là se conduisait super bien. Très agréable. Elle était douce. Tu sentais qu'elle était douce, légère, c'était pur, c'était fin, tu vois. Elle s'exécutait, enfin voilà, docile. Belle petite voiture, belle petite machine ça. Je me demande finalement, c'est... donc la dernière, tu as déjà vu, non, c'est laquelle voiture, parce qu'il y a 10 courses. La dernière qu'il nous propose, ça serait laquelle? Une Fiat 500, oh merde. Mon prochain client est danois. Il semble avoir entendu parler de notre aventure avec la Koenigsegg suédoise. Je connais pas du tout ce type de voiture. La route. Pas plus qu'au foot. Donc... Elle a une belle tronche, voilà hein. La voiture suivante. Tu connais la chanson. Hein, elle a une belle tronche, voilà hein. Les clés. Je te souhaite une bonne balade. Voilà, elle a une belle tronche. Un petit peu plus fat que les autres, hein. Oh putain, comment elle est lourde. Ouais. Elle est moins travaillée que les autres, hein. Bon, allez. On donne, je prends. Mais. Par contre, elle est lourde. Hein. Ah, putain, quoi. J'avais une petite voiture toute mignonnette, toute sensuelle. Là, j'ai un char, là. Oh là là. Putain, comment je suis obligé de freiner, c'est ouf. Ah ouais, c'est pas du tout la même aventure, là. Ça passe. Tu vois là, putain, c'est... Ah, le truc dit que ça passe, mais mon cul, ouais. Ah, elle est lourde, c'est un crapaud, hein. De toute façon ça se voit, elle a un fessier. J'ai pas aimé. J'ai alors, pas aimé. Conclusion. C'est pas moche, mais j'ai la pas aimé. Non, je veux pas savoir. Et ne dis rien. Ouais, c'est ça. Ouais, d'un coup, t'étais. Appelle-moi vite pour le prochain essai, ok? Elle est pas mauvaise, mais j'ai pas aimé. Tu vois, j'ai pas aimé. C'était. Regarde, c'est vrai qu'elle a une belle tronche, mais bon, on sent quand même que c'est beaucoup moins. Enfin, c'est plus épuré, hein. Il y a moins de travail, malgré que ça soit quand même beau. Le châssis est beau. Mais j'ai pas aimé. Là, tu vois. J'ai pas aimé. Bon, pour le moment, c'est celle-là que je mettrais de côté, tu vois. C'est. Celle-là qui... Oups. Alors... On part... Sur quel véhicule? T'as vu la DB11 Aston Martin Vulcan, bah, c'est celle-là que j'ai. Splendide, Aston hein Martin, j'adore trop. J'ai pas voulu j'adorais, moi, c'était la Vanquish. Alors, et puis la DB9. J'ai choisi une autre éruption de puissance, l'Aston Martin Vulcan. T'as la DB9. 120 chevaux oh, homologués sur qu'est-ce route, que j'adore. Sur piste. Et j'ai fait fermer quelques routes pour toi. Ah, celle-là marche fort. Celle-là, je veux entendre le moteur.
C'est du feu, celle. Ah oui, putain, regarde, allez, tu tournes, parti. Ça tourne. Voilà, ça tourne même trop. Ah là, la patate, elle. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Ah oui, là, faut... D'accord. Il est splendide, ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau. Puis alors, elle, c'est un suppositoire. La deuxième sortie. La voiture, elle est... Mais alors, à ras du sol, toute plate. Le vent... Même le vent... n'engendre aucun impact sur la voiture. Quand tu regardes le capot... Ah bah celle-là, je l'ai conduit pas mal, donc bon, c'est, je dis ça pour que je me fie, mais je connais la bête. Ah, par contre, sur la neige, je la connais moins. Ah ouais, ah ça glisse, ça. Putain. Oh merde. Ah, comment elle glisse, là. Ah, c'est pas la même ambiance, c'est pas grave. C'est dommage. Je suis un petit peu relâché, là, sur le moment. Mais c'est vrai que par contre elle patine là. Parfait. Maintenant, quand les clients me demanderont ce qu'on fait, j'aurai la preuve en image. Ah, j'ai un peu foiré, j'ai un peu foiré, j'avoue. Ah, j'ai eu qu'une étoile. Bon, c'est pas grave, de toute façon je veux voir les voitures. Bientôt level 23, hein, c'est bien, on avance. On a dû en faire 5 là, je crois, 5 véhicules, quelque chose comme ça. Pas si mal. Alors, quelle est la surprise? Une Corvette, une Dodge, une McLaren F1. Notre client d'aujourd'hui cherche quelque chose d'un peu plus tranquille, genre balade dans la campagne. Oui, c'est un petit jouet ça. Mais à bord de quelque chose d'élégant, quelque chose de chic, quelque chose. Surtout que c'est très léger, d'italien. Ça. Hein. J'ai choisi la Pagani Zonda Cinque. Ça, c'est comme les Lotus Elise. Au monde. Il faut bien soigner notre réputation. C'est très très léger, ça. Hein. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça, celle-là, de toute façon, elle a pu en approuver. Montre-leur comment on roule chez vitesse absolue. Ah, tu sens qu'elle a moins de patates, hein, c'est sûr. Par contre, elle a un très beau design. Et puis ça, c'est une petite voiture. Hein. C'est tout dans la légèreté, ce qui fait que bah, elle a un rapport poids-puissance qui est exceptionnel. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah, j'aime bien celle-là, franchement, elle est toute kiki. C'est relaxant, hein. Ah oui, celle-là, elle est pas nerveuse, hein. Ah, puis elle se conduit très très bien. Là-dessus, là, je suis à fond d'ailleurs, je peux plus aller au taquet à la voiture. Le moteur il va péter, là il va claquer. Oh, j'ai au moins 2 étoiles là. Client que cette voiture lui apportera toute la tranquillité recherchée. Viens me trouver pour le prochain test. J'ai déjà 3. Décidé. La défaite. Une étoile. Parce que je suis pas assez drifté. Alors celle-là, j'ai... Sympa. Vraiment sympa. Oh, affreux.
Quelle casquette affreuse. L'Aventador. Tu penses que c'est celle-là qui serait une des plus, enfin, voire la plus rapide du jeu et la plus maniable. Alors je peux, hein, y a pas de souci. Hein. De toute façon, je vais en améliorer plein. Hein, ça, on va pas se cacher. Heureux de te voir. Je connais pas cette marque. Ce modèle aurait pu devenir la voiture de série la plus rapide au monde si la production avait été suffisamment importante pour parler de voiture de série. La NC Venom GT de 2012. Fabrication artisanale pour obtenir vitesse et performance. Je te la confie. Ça, ça ressemble beaucoup à la Pagani ou la Lotus Elise, justement. Il y a un radar sur l'autoroute en direction du sud. Fais-nous voir jusqu'où cette machine peut monter. Oh, par contre, c'est à la pêche, hein. Ça a l'air d'avoir du couple. Ah ouais, elle monte, c'est une machine de guerre, attends. Oh putain. On peut pas recommencer. Oui, vas-y. Ah, je m'y attendais pas, c'est une machine de guerre la voiture, carrément. C'est parce qu'en fait, je regardais le compteur quand je me suis pris le mur. Parce que j'ai été étonné, d'un coup, je vois 340 et tout, je fais putain, mais... Elle marche. Bon, allez. Ah, t'es à peine en ligne droite, là, regarde, quand même. Je l'ai vu qu'elle avait du couple. Regarde là. Oh, oh mon dieu. Oh, comment ça chasse. Un drift ultime. Ah, faut que j'apprenne à dompter la bête, hein. Bon, c'est vrai qu'elle chasse, hein. Mais j'ai une roue. On attaque la deuxième roue. Par contre, elle carburant. C'est tout droit jusqu'au radar. Puis son tracé, quand ça m'énervait, parce que... Putain, là. Faut passer des ronds-points où t'as l'impression que tu dois tourner à gauche immédiatement. Que... Bon, c'est là où il y a le radar, par contre. C'est là où il faut faire la ligne droite. Allez, là faut pas se foirer. C'est là où tout se joue. Et là, boum boum. C'est le plus dingue que j'ai jamais vu. Je ferais bien de reprendre mon souffle avant l'arrivée du client. 361. Putain, je la connaissais pas cette voiture. Là, tu vois. Marche bien. On dirait une Lotus Elise quand même, hein. Là pour le coup. Ah. On va voir ce que ça donne, hein. On va bientôt arriver à la dernière. Hop. Ouais, parce qu'on avait dit genre t'as 8 là, un truc comme ça. J'ai vu à quel point Bugatti Veyron. À la Bugatti Veyron, non. C'est le cas de pas mal de monde sur le festival. On a bon, il y a la dernière qui est sortie en plus. Voici là. Voici la Bugatti Veyron Super Sport de 2011. La voiture de série la plus rapide au monde, 3 années consécutives. Elle est à toi pendant... Ouais, parce qu'après c'était la Koenigsegg. Je le retiendrai s'il faut. Il avait détrôné justement. Je veux te voir. Enfin. Le client veut te voir piloter dans les Highlands. Ah, ne pas descendre en dessous des 161, d'accord. Ouais, il faut pas que je me viande. Bon. À 400 mètres, tournez à droite. Oh mon dieu, que c'est lourd. Oh putain, que c'est lourd. Tournez à droite. Prenez la deuxième sortie. Mais je peux pas descendre en dessous de 161, il a de l'humour lui. Mais un rond-point, son Dieu, je passe. Essaie de conserver ta vitesse. Ouais, on bat le virage.
Essaie de conserver ta vitesse. Je te mets un virage à 90 degrés, essaie de le prendre à 200. Maintenant, une longue série de virages de montagne. Calcule ta trajectoire, utilise tes freins et conserve ta vitesse sans glisser. Oh, et n'oublie pas de t'éclater. Ça, c'est que je suis pas dans mes trajectoires, justement, là, tu vois. Oh putain que c'est beau, mais casse-toi. Oh putain que c'est beau. Putain, je regarde les montagnes là au loin à chaque fois. Un peu mon problème, ça, je regarde toujours le décor moi quand je joue. Oh, c'est chaud là. J'ai pas mis des pneus neige hein. Faut vraiment freiner. Hein. Allez, poudreuse, poudreuse. Il faut faire du rallye là avec une voiture qui roule à plus de 420 km/h. Ça. Le trophée Andros là sur de la neige. Bon, bah ça va, je me suis bien démerdé quand même. Bon, il est temps de ramener l'Aveyron. Ah. Non, il faut vraiment la ramener maintenant. J'aurai quelque chose d'aussi bien la prochaine fois. Je pensais non, je te la donne. À une Mercedes. Je te la donne. Ah mais oh non. Il va me donner un SLR. Certainement me filer un SLR, un truc comme ça. Moi je veux tout finir déjà de ça là. Bien sûr. Mais c'était italien avant. Hein. Bugatti c'était italien. Et après ça a été racheté par Volkswagen. L'AMG GTR de 2017. 0 à 100 en 3 secondes 6. Vitesse de pointe avoisinant les 320 km/h. Prêt pour le test ? Ah, est-ce que j'ai le choix ? Cet engin a été conçu pour tenir la route avec style. Je vais te trouver un itinéraire. Oh, tournez le à bruit droite. De merde. C'est pas un bruit de voiture, ça. C'est quoi, ça ? On dirait une Evil Drude dans Bernard et Bianca et la petite libellule. J'avais envie de voir cet engin en action depuis que je l'ai aperçu au festival de vitesse de Goodwood. J'y étais pour dépanner un pilote qui avait réussi à verrouiller sa voiture en laissant les clés à l'intérieur. On dirait une voiture électrique. Oh, comment c'est passé? Attends, je vais changer de radio parce que... Casse-toi! Par la main, je vais m'achanter aussi. Hein. Beaucoup de route. Ouais, bon. J'ai une sensation avec cette voiture. Un bruit catastrophique. Sachant que c'est Renault qui fait les moteurs Mercedes pour la plupart en plus. Waouh! On se croirait dans une pub. Magnifique! Ah non, par contre, ça c'est beau, t'es au ski. Putain, t'as le soleil qui tape sur la neige comme ça, t'as la réverbération, il fait beau. C'est vraiment top, hein. Bien, laisse-la ici, je me charge de la faire livrer au client. Sois prêt ouais, pour ouais, prochain les nuls. J'attends quelque chose de spécial. Tu ne vas pas en croire. Ouais, c'est ça. C'est un bruit de mobilette. Une vraie petite. Une 103 Peugeot là. Et encore, même une mobilette, ça fait un meilleur bruit. Avec un petit kit 75 dedans là. Non, et Evil Drude dans Bernard et Bianca là. Je sais pas si tu l'as vu ce dessin animé. Mais ça fait vraiment. Enfin, ça fait. Enfin, j'arrive pas à le faire. Alors, du coup, on passe. Mais. Il n'y avait pas que 10 ? Tu sais, quand j'ai lancé cette affaire, oh. Quand je t'ai recruté. C'est exactement ce qu'on vit maintenant que j'avais imaginé.
Voici une McLaren Senna. Ne me demande pas. Ah ouais, ça. Conduis-la au festival et fais savoir à tout le monde qu'elle est arrivée. Ah, ça va être super, je pense. Ah, ça, regarde comme c'est beau, ça. Savoure ton heure de gloire. Oh, le bruit. Et ne lui oh mon dieu. Pas une seule égratignure. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Ah, elle est somptueuse. Ça, c'est une voiture, tu vois, tu lui fais des bisous partout. Hein. Elle est propre tous les jours. Hein. Oh putain, puis ça accroche. Oh putain, j'ai même pas besoin de freiner. Oh là. Oh. Oh, j'adore. Ah non, là, elle accroche, attends. Elle m'a dit qu'il y avait déjà foule au festival. Ouais, super cette bagnole. Putain, regarde la. Ah merde, je regardais ailleurs. Putain, faut que j'arrête les conneries. Même, regarde, tu te reprends là. Une précision, la voiture. Non, ça accroche. Là. D'enfer. Bon, allez, je me concentre. Par contre, là, ça. Ouh, ça patine. Allez, ma pupuce. On y va. Oh, elle est excellente, bah, c'est la meilleure. Ouais, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est la meilleure que j'ai. Aïe. Mon travail. Elles m'ont un petit peu menti. Hein. C'était une piste bleue à la base. Je freinais qu'un tout petit peu. Non, c'est la meilleure. Ouais, y'a pas photo. Puis voilà, un vrai bruit. Quoi. Oh, le jeu, vraiment. Par contre, voilà, faire gaffe, hein, parce que ça glisse. Hein. Ah là, super. Ah, elle est super. Ah, vraiment, elle est super. Ça devait être la dernière, je pense. Hein. Ah, tu vois, quand t'as un bon véhicule, forcément, ça, tu conduis bien. Hein. Ça passe, ça passe, ça passe. Putain, j'espère avoir 3 étoiles là quand même. De clients sur liste d'attente, mais rien qui puisse surpasser cette machine. Fou, t'es libre d'arrêter si tu te sens pas là. Ah oui, voilà. C'est ça. C'est que là, voilà, on est dans le dur. Là. Oh, c'est. Oh là là. Eh, j'allais dire, j'allais me faire des bisous tellement que c'était beau ce que j'étais en train de faire. Bah bravo. Super. Allez, pied au plancher jusqu'à l'arrivée. Vitesse absolue. Ouais, bah j'ai fait le kang, hein, qu'est-ce que je veux te dire. Ouais, non, vraiment des belles sensations là. Putain, ce conduit, mais super bien. On a réussi. Tu as réussi. On se voit sur le festival, mais n'oublie pas de passer au showroom d'Edimbourg, d'accord? Pour dire bonjour ou aller faire un tour avec une voiture. Oh, une merveille. Vraiment une merveille. Une étoile, bravo. Non, très très bien cette voiture. Bah, de toute façon, c'était le top. Hein. Bon, il y en a qu'une ou deux hein, que j'aurais pas trop aimé, mais sinon, à part ça, très bon championnat. T'as eu un bon choix, hein. C'était très très bien. T'as eu raison. Alors, chaussettes, culottes. Klaxon. Qu'est-ce que j'en ai à péter des klaxons, sans déconner. Ça, c'est. Alors, par contre, tu vois, par rapport aux 3, ça m'énerve. Ça, sincèrement, ça m'énerve. Les loot comme ça, inutile. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bon, écoute. On fait une dernière petite course. Et après, je vais arrêter mon petit stream, mon loulou. 15 millions, toujours pas assez. Et après, je reprendrai mon stream, et par contre, sur un autre jeu qui sera certainement
Et tiens, c'est ça. Ah bah tiens, je vais faire l'avion de chasse. Qui sera. Je pense le Seigneur des Anneaux. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je vais faire après. Mais bien sûr, tu seras le bienvenu si tu veux regarder le stream, il n'y aura aucun problème. Et je sais pas si je vais taper sur du Gears of War ou commencer un Witcher 3, parce que Witcher 3, je l'avais commencé il y a longtemps, je suis level 45 et j'ai envie de le refaire tellement que ce jeu c'est une merveille. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a un jeu The Council aussi, je sais pas si tu connais, c'est un petit peu... où en fait t'as tous les pontes, hein, Napoléon, tout ça, qui se réunissent et donc il y a une enquête qui doit être menée parce qu'il y a une personne qui a disparu. Donc c'est... voilà, c'est... t'as des choix moraux à faire, t'as des... faut enquêter, quoi. Il est très très bien, ce jeu. Ouais, j'ai... nul, hein. C'est pour ça que tu dis ça, parce que j'ai rien obtenu. T'as pas de chance, mon pote. Eh ah bah, dis donc. C'est normal, il y a beaucoup de courses où j'ai eu qu'une étoile. Hein. On va pas se cacher. Hein. J'ai pas beaucoup drifté, par contre j'ai fait venir une petite course avec Honor, donc je suis très content. Bon là, course avec l'avion de chasse. Allez, on va s'en mettre plein la gueule. On va voir avec quoi surtout il a envie que je fasse. À 200 mètres, tout droit, là. Vous arriverez à destination. Voilà, et voilà. Vous avez atteint votre destination. Initialisation. On dirait le Mont-Saint-Michel, et après. 165F-D de l'UNSC. Ah, allez. Ouais, mais c'est un klaxon Urus. Oh là là, c'est vraiment le truc de Halo en plus. Oh là là. Oh, ça va pas. Oh là là, là contre un avion de chasse. Qu'est-ce que ça va donner comme connerie encore ça? Allez, 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 on y va, alors on n'a pas le temps. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette course? Mon dieu, un master chef. Et. Voilà, on est carrément dans Xbox. Hein. Bon, c'est bien, ça va changer. Et bah écoute, merci d'être venu, merci à toi d'avoir suivi le stream et puis comme ça on a fait des petites courses ensemble, tu m'as montré des petites choses. Donc j'espère à très vite et à bientôt. Merci beaucoup, fais un gros dodo et tu baffes pas sur le coussin. Hein. D'accord. Et tu ronfles pas trop surtout. Une fois l'exercice terminé, veuillez transmettre. Mais merci beaucoup d'être passé. À bientôt, ciao ciao. Ah, on est vraiment dans le décor de Halo 7 en plus. Hein. Cortana, vous m'entendez? Il vous faut un chauffeur, je crois. Ah putain, c'est vraiment les décors de Halo en plus. Juste à temps. Oh, bah, ça va être rigolo. Nous en avons fini. Alors. Et nous sommes prêts à partir. Wow! On annule tout. Désolé, Cortana, je dois me débarrasser d'eux. Ils se sont tapés. Affirmatif, Kilo. Chercher une nouvelle zone. Ciao, ciao. Major, ils se sont tapés un délire là. Cortana, bah, tu vois, ça fait plaisir. Je ne sais pas. On dirait une sorte de fortification, mais elle n'a pas été utilisée depuis des siècles. C'est un Spartan. On va réussir à rentrer chez nous alors. On a la zone d'atterrissage. Il reste peu de temps. Putain, mais c'est... 3 minutes. Mieux vaut ne plus être dans les parages. Hé, évitons les ennuis. Vous n'êtes pas tout seul. N'importe quoi, mais c'est génial. Marise, les coordonnées sont dans votre système. Évacuation dans 3 minutes. Bien reçu, Cortana. Regardez ces habitations anciennes. On dirait que quelque chose vit ici. Continuez tout droit. On évitera sûrement mieux les banshees hors des sentiers battus. Putain, il est super lourd son véhicule là. Oh, des banshees, attention. Banshees en approche. Essayez de les semer à travers ces arbres. Bien sûr, on va faire le nécessaire, t'inquiète pas. On va remplir le contrat, pas de panique. Alerte, des banshees, on fonce. Une banshee, sauvez-nous, major. Bah, me gêne pas, voyons. Cortana aux unités de soutien.
soutien aérien. Voici les coordonnées de la zone d'atterrissage. Demandons évacuation immédiate. Je répète, toutes les unités sur la zone. Cortana, je vois 3, 4, tu leur donnes le vaisseau loin et tout. Ils ont mappé à la halo. Ah, ils sont forts, Microsoft. Cortana, je ne peux pas vous suivre ici. On se voit de l'autre côté. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant à entendre. L'envie du tout, c'est de tirer là. Sortir la mitraillette, le bazooka et. Mais non, c'est un jeu de voiture. Restons calmes. J'aime pas ça. C'est bien trop silencieux. Kilo, vous m'entendez? Kilo! Wouh! 5 sur 5, Cortana! Ravi de vous revoir, pilote. Ce serait dommage. Ouais, mignonne la course, hein. Franchement, elle me fait délirer, elle est mignonne. Par contre, les gars, là, si vous prenez des raccourcis, ça va pas le faire. Je sais que ça, ils sont avec moi, normalement, c'est mes potes. À toutes les unités, la zone est droit devant. Il reste 30 secondes avant que la superstructure de l'anneau s'effondre. Allez, c'est parti, un beau petit saut là. Petit banshee là. Mais si, je suis là, tu rigoles. Il est grand temps d'y aller. Module d'entraînement. Alors. Du festival Horizon terminé. Chargement des résultats vers le Fleetcom de l'UNSC. Du coup, je pense que je vais gagner le véhicule, le Banshee. Je pense que j'ai l'honneur d'avoir ça. Ou un klaxon du Banshee. Certainement. Salut Arnaud. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai proposé ton pour la prochaine épreuve de rassemblement. Et il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Je te vois sur la ligne de départ. J'ai remis ta vie, fais ce que tu veux. Parce que je compte pas, moi je dis pas bon. Que voilà, et je peux avoir une récompense. C'est passé. Oui bon, c'est bon, on va la faire, c'est bon. On va pas la faire là, mais on la fera. Et ben voilà, c'est impeccable, c'est super. Bon bah voilà les loulous, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser hein, et puis je vais reprendre certainement tout à l'heure, un petit peu plus tard, dans 5 minutes, dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes, dans je sais pas. En tout cas on va changer de jeu, ça c'est sûr, et merci encore de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.